Avant de salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites de YouTube ainsi qu'à travers des DVD, ça va très mal. Il y a une forte division au sein de l'opposition. Ça ne tient pas. Les gens de l'ensemble et de l'UDPS sont en train de s'entretirer. Vraiment, on ne sait plus sur quel pied danser. Voilà pourquoi j'irai voir le représentant de l'UDPS ici qui me donne des détails sur tout ce qui se passe, vraiment, le peuple congolais au milieu du village. Vous savez, quand des éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Voilà pourquoi, avant d'aller voir les amis de l'UDPS, je suis venu ici voir le responsable de l'ensemble en Afrique australe, qui me disent qu'est-ce qui se passe entre Moïse et Félix, et que ce qui se passe au sein de l'opposition, parce qu'il n'y a pas que l'ensemble élu de PES. L'opposition est composée de beaucoup. Il y a Martin Fayoulou, il y a Kamere, il y a beaucoup de gens. Alors, on a annoncé un conclave ici, et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons l'absence des leaders. Les leaders ne sont pas venus. Il n'y a peut-être que Fayoulou et 2, 3, 4 leaders. Moïse n'est pas là, Félix aussi n'est pas venu. Pas trop de commentaires. Nakoti Awa, on est bureau ensemble en Afrique du Sud. Bureau ensemble en Afrique du Sud, Yango Bandeko. Nazoua Nakutanana, représentant Moïse Katumbi, Awa, a expliqué Bissot vraiment, problème Nini Oezali. On nous sur les appartements, toujours, il y a ensemble. Nazoua en Afrique, Awa, appartement à Bango. Je crois que bureau. Responsable est moi. Eh ben, bonjour. Je peux voir le cordon de l'Afrique australe. Ok, merci. Bienvenue sur la chaîne officielle de Sans Rival, www.cntlive.com/sans-rival. Hela, la diaspora de Jobourg. Toujours Nathan avec des informations à temps réel. Oyo peuple ndengeni nyo, soulevons-nous. Totelima. Sans rival, www.cntlive.com/sans-rival sur CNT Live. Ok, merci beaucoup. Oh, cordon, Edouard Kassongo. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, comme vous le remarquez, monsieur Edouard Kassongo, c'est lui le cordon de l'ensemble ici en Afrique, non seulement du Sud, mais en Afrique australe. Alors, je suis venu chez lui. On va s'entretenir à propos des enjeux politiques et surtout, les virus qui, aujourd'hui, vraiment, il y a un grand virus entre, dans l'opposition, bien sûr. Je ne dirais pas seulement entre Félix et Moïse, mais au sein de l'opposition, il y a un grand virus. Mais avant cela, qu'on nous balance les pages publicitaires et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti! cntlive.com/sans-rival. Hela, la diaspora de Jobourg. Toujours. Et tout ce plateau, je crois que vraiment, et voilà, cordon, il y a ensemble, il est à la fois pasteur, à la fois cordon ensemble, il est à la fois société civile, à la fois honorable parce qu'il est aussi député au Congo. Alors, il est en exil, à la fois, ça fait vraiment beaucoup d'années, mais. Ce n'est pas vraiment ça le sujet de notre entretien. Lélo a expliqué du Sokamasolo, Isa Ndengendini. Rapidement, vraiment, je salue encore une fois Cordon Edouard Kassongo. Bonjour, vraiment Cordon. Bonjour, Sariba. Santé, vous pouvez nous dire la santé de l'ensemble Afrique australe, comment vous évoluez maintenant? Nous évoluons très bien, sans aucun problème. Nous travaillons arrache-pied pour notre pays, pour notre peuple.
tout va bien. Ok, tout va bien. Il y a eu une série d'activités qu'Ensemble avait organisées. Et maintenant, on a annoncé un conclave. Malheureusement, on n'a pas vu la présence de Moïse Katumbi. Pourquoi son absence dans ces conclaves de l'opposition? Autant partout, on a vraiment fait beaucoup de bruit sur ces conclaves. C'est à l'issue de ces conclaves qu'on devait trouver un candidat unique de l'opposition. Et puis, tout devait s'arranger, s'harmoniser dans ces conclaves. Mais pourquoi Moïse Katumbi n'est pas venu? C'est très tôt de dire que Moïse Katumbi n'est pas venu. La réunion telle qu'elle se tient, c'est technique et politique. Et juridique. Mais il faut d'abord que ceux qui travaillent puissent terminer le travail qu'ils sont en train de faire pour que Moïse Katumbi puisse être là. Aussi, il a un agenda très chargé. Il peut ou ne pas être là, mais cela ne veut pas dire que les choses vont être bloquées. Nous, chez nous, au niveau de l'Assemblée, c'est la démocratie. Et la liberté d'opinion aussi. Ce qui sera dit au niveau de cette réunion ne demande pas impérativement la présence de Moïse Katumbi. Il y a des gens qui sont là pour rédiger le programme. Oui. Il y a des gens qui sont... Il a quand même ses délégués. Mais bien sûr, l'Assemblée a ses délégués à la réunion de l'opposition. Et voilà, Cordon, je crois que... Vous avez dit que ça va très bien, les délégués sont là. Mais au fait, pourquoi trop de tiraillements au sein de l'opposition? Il y a beaucoup de mésententes. Pourriez-vous nous éclairer sur la situation ou soit des relations qui unissent Moïse et Félix? Sont-ils en bonne relation? Vous savez, dans la politique... C'est vrai, les relations humaines comptent beaucoup, mais la politique, c'est pour nous, au niveau de l'Assemblée, c'est l'intérêt de notre peuple, c'est l'intérêt de la population qui compte plus. Et nous pouvons être amis, nous pouvons être frères, mais si nous nous mettons d'accord pour mettre au centre l'intérêt de la population, c'est celle-là qui doit primer. Qui est tenté de privilégier l'intérêt de la population entre Moïse et Félix? Aujourd'hui, vous me connaissez très bien, souvent je n'aime pas juger les hommes. Quand vous me posez la question de savoir entre Moïse et Félix, là ça devient comme si je vais porter un jugement. Moi je suis, je vous ai toujours dit que moi je suis pour la politique de non-violence. Moi, je suis pour la politique de mettre tout le monde ensemble. Et je suis un facilitateur, en quelque sorte. Mais acceptez quand même qu'il y a un mauvais courant entre les deux personnes. Un très mauvais courant, un très mauvais climat entre l'ensemble et l'UDPS. Non. Très mauvais climat, c'est exagéré. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est les hommes. Quand il y a, là où il y a les hommes, il y a beaucoup de problèmes. Et nous, au niveau de l'Assemblée, au niveau de notre président Moïse Katumbi, il ne suit pas les ondits des hommes. Sinon, il n'allait pas diriger la province de Katanga. Sinon, il n'allait pas diriger Mazembe jusqu'à aujourd'hui. Un bon dirigeant, c'est celui qui ne suit pas les rumeurs, les faux bruits, les fausses accusations et... Les songi-songi, comme on dit chez nous à Lingala, tel est Moïse Katumbi. L'UDPS va aux élections avec ou sans la machine à voter. Vos impressions là-dessus? Vous savez, lorsque nous nous sommes mis ensemble avec l'UDPS, parce que l'UDPS est membre du rassemblement jusqu'à ce jour, et nous aussi, nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de points. Les élections libres, transparentes et démocratiques, et l'inclusivité au niveau des élections et beaucoup d'autres choses. Est-ce que cet objectif est atteint
pas encore. À partir du moment que les choses pour lesquelles nous nous sommes mis ensemble, l'objectif n'est pas encore atteint, nous, au niveau de l'ensemble, nous ne croisons pas les bras. Nous devons continuer à nous battre pour que les objectifs que nous sommes mis ensemble puissent être atteints. Et ces objectifs, c'est pour qui? C'est pour le peuple congolais. Les élections, c'est pour le peuple. C'est pour libérer. Nous ne sommes pas en face d'un régime démocratique. Mais nous sommes en face d'un régime dictatorial. C'est pour cela que nous sommes mis tous ensemble pour combattre la dictature. Et aujourd'hui, si l'IDPS dit qu'elle veut aller aux élections avec ou sans machine, c'est son point de vue, c'est son opinion. Mais nous, nous sommes résolus de nous battre jusqu'à notre dernière énergie pour enlever la machine à vote. Quelles seront les conséquences pour enlever la machine à vote, oui, et pour que les élections soient libres, transparentes et démocratiques. Et si possible, même inclusives. Ok, c'est bon. Je crois que dans chaque chose, on doit tirer des conséquences et des avantages. Alors, quels sont les avantages d'avoir l'UDPS aller aux élections avec ou sans la machine à voter et les conséquences? Mais vous savez qu'il faut tenir d'abord parole, il faut d'abord respecter ses engagements, tel que Moïse a respecté ses engagements jusqu'à ce jour. Si le plan physique, il a respecté, si le plan politique, il a respecté, si le plan financier, il a respecté. C'est ça un homme politique. C'est ça un leader. Un leader se détermine par rapport, pas par rapport à l'émotion, mais par rapport à sa capacité de mener les combats jusqu'au bout. Et un combat contre la dictature, on ne baisse pas les bras. On ne coalise pas avec la dictature. Et si nous avions choisi la voie des élections, qui est la voie la moins chère des vies humaines, pour épargner les vies humaines, mais pas pour aller dans des élections parodiques. Non. Pas pour aller dans une parodie des élections, pas pour accompagner un groupe dans une élection. Votre objectif, c'est quoi? Votre objectif, c'est la libération du Congo, le départ de Kabila, parce qu'il a déjà épuisé ses mandats. Et maintenant, croyez-vous, le chemin que vous avez emprunté va vous amener à atteindre vos objectifs réellement, les marches, tout ce que vous avez et vous comptez faire? Ça va vous aider, vous marcher à ces cabines? Mais absolument, parce que ici, la dictature est déjà aux abois. Nous avions déjà fait beaucoup d'efforts. Il reste paix pour que nous puissions, que le peuple puisse arriver à son objectif. Parce que si nous parlons pour les peuples, et quand nous parlons pour les peuples, quand nous girons devant les peuples, nous devons respecter. Vous savez, moi je suis pasteur. Vous savez que la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Quand vous dites au peuple aujourd'hui oui, et demain vous dites non, ce n'est pas bien. Donc Félix a trahi. Je ne dis pas, je ne cite pas les noms. Je vous ai dit que moi je préfère citer les noms de Moïse Katumbi. C'est mon président, c'est celui que je soutiens, c'est avec lui que je fais le chemin politique. Mais je ne suis pas ici pour citer le nom de Félix. Je suis en train de vous donner un exemple pour vous dire que dans la vie et la mort, la vie et la mort politique est dans le pouvoir de la langue. C'est-à-dire, il faut savoir et apprendre à respecter ses engagements, à respecter sa parole. La parole, elle n'est pas n'importe quoi dans la vie humaine. Donc ici, dans un regroupement, dans un cheminement, dans un groupe, il y a une mode de collaboration. C'est quoi? Nous nous mettons d'accord pour atteindre tel objectif. Est-ce que l'objectif a été atteint? Non. L'objectif n'était pas seulement les élections. Si c'était les élections, tout simplement. Mais pourquoi on parlerait de transparence? Pourquoi on parlerait des rejets de la machine? Pourquoi on parlerait des rejets des 10 millions des électeurs fictifs? Pourquoi on parlerait
de libre circulation des biens des personnes, pourquoi on parlerait des témoins, de toutes ces choses. Tout ça, c'est tout un ensemble. Les élections, en soi, au Congo, ce n'est pas seulement aller aux élections. Mais si c'est ça, alors c'est la même chose. En 2011, les gens sont allés aux élections. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité de nous mettre ensemble pour faire quelque chose de mieux pour notre peuple. Ce n'est pas le moment de céder. Mais dans un bateau, je vous dis la vérité, à un certain moment, Jonas était dans un bateau. Dieu lui avait demandé d'aller à chose à Ninive. Lui, il est allé à Tarsis. Arrivé, Dieu a envoyé la tempête au milieu de la mer et Jonas s'est senti victime, s'est senti coupable. Il s'est dit non, c'est moi qui amène les problèmes dans les bateaux. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau et la tempête va se calmer. Et on a pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau et la tempête s'est calmée. Donc il ne faudrait pas que nous puissions arriver à ce niveau-là, au niveau de l'opposition, pour le moment. Parce que tous les leaders, je parle là, d'ensemble, il ne faudrait pas que nous puissions arriver au niveau où nous jetons un groupe qui amène la tempête dans la mer, pour que la tempête puisse se calmer. Il y a encore moyen que nous puissions calmer la tempête entre les hommes, parler sincèrement, franchement, c'est dire la vérité et se remettre en question. Vous savez, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. C'est ça dans la vie des hommes politiques de chez nous. Et il y a le moi, 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 moi. Non, ça ne bâtit pas, ça ne construit pas. Pourriez-vous adresser un mot à Félix Tshisekedi qui vous suit en... Je ne peux pas adresser un mot à Félix Tshisekedi. Je vous ai dit, je vous répète encore que moi je parle pas d'individu. Si je dois parler d'un homme, je préfère parler de Moïse Katumbi, que je connais très bien, que je soutiens à 100%. Et ce n'est pas, je ne le soutiens pas seulement pour devenir président demain. Je soutiens son programme et je sais qu'avec lui, nous allons arriver jusqu'au bout. Le chemin était long et au fur et à mesure, Dieu est en train de raccourcir les chemins. Et nous allons arriver avec les peuples à la destination de la victoire. La voix que vous avez, cette voix à faire passer 32 ans sans pouvoir à l'UDPS, les marches et autres, et vous empruntez cette voix, vous croyez que vous aurez vraiment du succès? Mais non, cette voix, elle a peut-être été mal gérée. C'est une bombe atomique, le peuple tout entier uni. Il n'y avait pas d'union au moment où, à l'époque, au moment où l'IDPS menait les combats, tout ça. Il y avait souvent des unions, tout ça. Pour une fois au moins, tous les leaders se sont mis ensemble. Il ne faudrait pas répéter l'histoire. Parce que l'histoire est abstraite. C'est une chose que nous pouvons nous-mêmes nous recadrer. Dire qu'à l'époque, nous avions commis telle erreur, telle erreur, telle erreur. Maintenant, il y a moyen que nous puissions changer. C'est ça un homme. Donc, il ne faudrait pas être un animal politique, comme c'est le terme chez nous, non. Un animal reste un animal. Mais il faut être un homme politique engagé, un stratège. Dans la stratégie politique, il y a moyen aujourd'hui que nous puissions atteindre notre objectif. À l'époque, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, c'est très facile parce que nous cheminons vers la fin. Cordon. Et ce n'est pas vers la fin. Cordon. Ce n'est pas avant que les bateaux accrochent. Nous, les médias, on pense qu'on doit décrocher. Nous, les médias, on pense qu'on ramasse tout ce qui s'est dit dans la rue pour amener le Sénat à ciel ouvert au vide de tout le monde. On vous reproche de quoi? On vous reproche, vous avez été en Zambie pour postuler. Alors, et maintenant, vous êtes invalidé, vous êtes mis hors de la course. C'est ainsi que vous approchez à ce qu'il n'y ait pas des élections. Parce que vous serez non partant. Si au moins on avait accepté
la candidature de Moïse Katumbi, je ne pense pas que vous aurez pris cette option. Oh, je venais de vous dire que la candidature seule ne suffisait pas de Moïse Katumbi. Mais il y a beaucoup de préalables. Nous nous sommes mis ensemble pourquoi? C'est à cause des préalables, pour que nous puissions réussir à enlever tous les préalables qu'il y a. Sinon, Moïse seul pouvait aller aux élections. Mais lorsque nous sommes mis ensemble, c'est pour dire que voilà, il y a telle chose, il y a tel obstacle que nous devons enlever dans les chemins pour arriver à la destination. Et on reproche Moïse veut acheter tout le monde. Comme il a acheté les G7, il achète tout le monde. Il veut même acheter l'UDPS. À peine, sitôt venu dans l'opposition, il veut être le chef des filles de l'opposition. Non, vous savez que c'est ça le problème avec la classe politique congolaise. Chaque homme politique, il a un passé. Dis-moi, un seul homme politique qui n'a pas eu un passé. Même notre patrimoine commun, Etienne Tshisekedi, avait un passé politique. Il était dans l'impair. Vous avez dit que vous ne parlerez pas de notre... Mais oui, je peux parler... Seulement de Moïse Katumbi. Non, de Moïse Katumbi, oui, de notre patrimoine commun. Oui, c'est notre patrimoine commun. Il a eu un passé politique. Moïse a un passé politique. Lumumba avait un passé politique. Il travaillait à la poste avant de créer le MLC. Donc, c'est-à-dire que tout le monde vient de quelque part. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème maintenant, c'est l'engagement actuel par rapport à la vie politique actuelle. C'est là où il y a le problème. Il n'y a pas de vierge. Il n'y a pas de vierge, c'est faux. Tout le monde a un problème, tout le monde a un passé, tout le monde, je dis bien. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, Moïse ne veut acheter personne. Tout le monde a adhéré, tout le monde est derrière Moïse à cause de son programme. Le programme que Moïse a pour la nation... Ce n'est pas à cause de l'argent. Non, le programme que Moïse a pour la nation peut sauver le Congo. Ce programme de 100 milliards de dollars, ça peut sauver le Congo. Ça peut amener la paix, la démocratie. Ça peut apaiser les pays voisins. Ça peut tranquilliser. Ça peut ramener l'investissement dans notre pays. Ça peut ramener les investisseurs. Ça peut refaire confiance. Aujourd'hui, c'est le problème de confiance. Regardez Bruno Tshibala. Hier, il a déposé un budget de 6 milliards de dollars. Pendant que Moïse Katumbi parle de 100 milliards de dollars par an. Pour les 5 ans. Lui, c'est 6 milliards de dollars par an. Vous voyez que vraiment c'est aberrant. Les pays, les Congo ne méritent pas ça. Les Congo méritent mieux que ça. Moïse Katumbi a parlé avec tout le monde. Beaucoup sont allés aussi lui faire des propositions. Vu ce qu'il a fait au niveau de Katanga, vu ce qu'il a réussi au niveau de ses entreprises, pour dire que mais cet homme a une étoile, cet homme a la flair de diriger, il a la flair. Il peut faire quelque chose pour la nation, pour les pays. C'est ça la vérité. L'argent, bien sûr, répond à tout. Mais ce n'est pas pour le motif d'argent que Moïse draine toute la foule ici. Aujourd'hui, il y a 80 millions de Congolais qui sont pour Moïse Katumbi. Est-ce qu'il a donné l'argent aux 80 millions de Congolais? Non. C'est à cause de son programme, à cause de sa réussite, de ce qu'il a démontré sur le terrain. C'est ce qui compte beaucoup pour lui. Et c'est vrai, on l'a mis... En œuvre, on l'a vu en œuvre par rapport aux autres. Les autres n'ont pas encore travaillé. Les autres, on les a pas vus en œuvre comme on a vu Moïse en œuvre. Donc au moins, il y a un témoignage. Le témoignage d'aider dans la Bible vaut mieux que tout. La déposition des deux témoins à l'époque dans la Bible pouvait même faire exécuter un homme. Mais ici, le témoignage de 80 millions de Congolais pour Moïse Katumbi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il a un témoignage vivant, un témoignage visible. Donc, il ne faudrait pas ici parler de l'argent. Il ne faudrait pas ici parler de il veut devenir leader de l'opposition. Non. Un leader se confirme. Donc, le leadership, ce n'est pas... Quelqu'un ne vient pas s'imposer. Non, ça se confirme. Mais il n'a pas la popularité de Félix Tshisekedi. Acceptons-le. Oh, sans rival. Oui. Je vous ai dit que je ne vais pas parler de Félix en tant qu'individu, mais parler de la popularité de Moïse Katumbi.
Ça, je par rapport à la popularité de l'UDPS. Ça, je peux vous dire. Je venais de vous parler de 80 millions de Congolais. Il dépasse, Moïse est plus populaire que l'UDPS. Je vous ai parlé de 80 millions de Congolais qui sont derrière Moïse Katumbi. À cause de ce qu'il a déjà réalisé. Et pourquoi il n'y a pas de parti politique? Écoutez, il y a une différence entre notre patrimoine commun, Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Là, il y a une différence, sincèrement. Il ne faudrait pas confondre les choses. Mais moi, je vous parle de Moïse Katumbi, qui est un témoignage vivant. Moi, je vais vous donner un exemple, ça va vous étonner. Un jour, j'étais très loin, à Medjé, à la province orientale, j'ai exploité une mine d'or là-bas et de diamants. Mais Moïse, à ce moment-là, on ne connaissait que deux leaders, Moïse Katumbi et Obama. À cette époque-là, Moïse ne s'était pas encore déclaré candidat président de la République. Je vous parle de 2007, 2008, 2009. Et c'est comme ça, le nom de Moïse est vendu dans toute la République démocratique du Congo. Vous allez au village, on parle de Moïse Katumbi. À cause du football. Mais c'est le marketing politique. Non, c'est le marketing politique. La politique, c'est quoi? C'est le nom. Attention, l'UDPS a un nom. L'UDPS a un nom, comme parti que Étienne Tshisekedi avait fondé. C'est différent maintenant par rapport à un individu qui a un nom. Vous évitez le nom de Félix Tshisekedi pour parler, pour les remplacer à Étienne qui n'est plus. Ça, c'est une façon de dévoiler votre forfait. Vous ne voulez pas parler de Félix, mais vous voulez parler d'Étienne Tshisekedi qui n'est plus. C'est notre patrimoine commun. Je dis, Étienne Tshisekedi, c'est le patrimoine de tous les peuples congolais. Aujourd'hui, c'est Félix. Non, Félix, c'est l'UDPS. Mais Tshisekedi était au-delà de l'UDPS. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Tshisekedi était au-delà de l'UDPS. Attention. Moïse est au-delà de l'ensemble. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Moïse est au-delà de l'ensemble. Il est au-delà même du Congo. Parce que vous venez ici, Moïse Katumbi. Vous allez en Zambie, Moïse Katumbi. Vous allez au Kenya, Moïse Katumbi. Vous allez en Ouganda, Moïse Katumbi. Vous allez au Soudan, Moïse Katumbi. Vous allez en Tanzanie, Moïse Katumbi. Il est au-delà même de la frontière. C'est différent, attention. Mis de côté son argent, croyez-vous qu'il serait populaire? Mais qu'est-ce que je vous ai dit sans rival? Que dans la vie, dans la vie, Dieu donne... celui que l'Éternel élève, il lui donne tout ce qu'il faut. La Bible dit, je ferai ton nom grand. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Quand Dieu a décidé de faire du nom de quelqu'un grand, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous battre, vous pouvez l'haïr par tous les moyens. Aujourd'hui, tous les ennemis de Moïse Katumbi, ils vont s'agenouiller un jour devant lui. Parce que c'est lui, il a le bâton, papa. Il a les verges. Il a les verges. Qu'on ne se mente pas ici. Moi, je ne suis pas un fanatique d'homme. Moi, je suis un pasteur. Je parle, je dis la vérité. Il a la verge. Il a la verge. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a rendu grand. Mais vous ne pouvez pas l'abaisser. Et même, si tel est le cas, souvenez-vous des rois David. Vrai ou faux, Moïse avait rencontré Kabila aux États-Unis? Ils se sont entendus à ce qu'il y ait une transition et puis qu'il rentre au pays. Pascal, vous êtes spécialiste de la presse, mais quand vous voulez monter aussi un coup, vous pouvez le faire facilement avec vos caméras et tout. Une histoire qui s'était passée à l'église à Bruxelles. Comment est-ce qu'un montage comme ça, on pouvait prendre ces films, les films de l'église à Bruxelles et monter avec une petite image des États-Unis pour dire Moïse a rencontré Kabila. Si Moïse veut rencontrer Kabila un jour, il les rencontrera aux vies et aussi de tout le monde. Et bon, pas en catimini, pas en cachette. Quand tout ce qu'il fait, il le fait aux vies et aussi de tout le monde parce qu'il n'a pas peur. Il le fait pour son peuple, il le fait pour sa nation. Et vous voyez, c'est différent. Ok, votre programme, parce qu'on vous donne les mots de la fin maintenant, juste votre programme, demain, après-demain, qu'est-ce que vous envisagez faire, toujours dans l'optique de libérer pour les Congolais? Notre programme commence, c'est notre programme, nous tous, sans rival, c'est le programme de tous les peuples congolais en général. Initié par l'ensemble. Je vous ai dit, bien sûr, dans chaque groupe, dans chaque équipe, il y a un capitaine, il y a un initiateur, c'est initié, ne signifie pas s'accaparer, non. Lumumba a initié l'indépendance. Il ne sait pas accaparer l'indépendance. Il est mort même à cause de l'indépendance. Donc c'est différent. Moïse initie des choses.
pas lui seul. Il y a d'autres leaders aussi. Il y a Mbemba qui est avec nous, il y a Kamere, il y a des autres leaders qui sont avec nous jusque-là et avec lesquels nous pouvons cheminer jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous, notre objectif, nous n'allons pas nous lasser. Il n'y aura pas élection avec la machine à voter. Nous mettons tout notre peuple à témoin. Donc, c'est-à-dire, nous allons nous battre jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas élection avec la machine à tricher. Pour qu'il n'y ait pas élection sans Moïse. Vous cachez derrière la machine à voter. L'élection sans Moïse, il n'y aura pas d'élection. Nous avions évolué. Nous avions évolué ici. Pourquoi nous parlons des candidats uniques de l'opposition aujourd'hui? C'est parce que on a empêché la candidature de notre champion, de notre candidat. Mais attention, notre dossier continue encore à exister au niveau des conseils d'État. Ça, c'est autre chose. Mais nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, si nous arrivons à choisir un candidat commun, cela ne veut pas dire que nous allons aux élections demain. Non. Choisir un candidat commun, nous sommes prêts pour les élections, mais à condition que les préalables soient enlevés. C'est ça le problème, parce que si les préalables ne sont pas levés, c'est comme si nous sommes tout simplement les accompagnateurs de ceux qui vont gagner les élections, de ceux qui veulent changer la constitution après les élections, tout ça. Quel sera le jugement de notre peuple vis-à-vis de nous après, si nous accompagnons aujourd'hui Kabila et son groupe à cette élection-là, voulue par Nanga et lui? Mais c'est le chaos. Pourquoi, je crois qu'il nous reste moins de 2 minutes, pourquoi Moïse Katumbi n'a pas cherché à rencontrer son frère et ami Félix Tshisekedi, qu'il parle à huis clos à propos de tout ce qui se disent à travers les réseaux sociaux, tout ce qui se disent dans des réseaux sociaux et puis la position qu'a pris Félix Tshisekedi? Pourquoi à deux, ils ne pouvaient pas parler à voix vive? Et bon, maintenant, la guerre est déclenchée. Mais la guerre, ça, ce n'est un secret pour personne qu'il y a une forte guerre entre l'UDPS et les autres opposants. Mais moi, je venais de vous dire ici que dans cette réunion qui se tient aujourd'hui en Afrique d'ici, d'ici à Djibouti, l'UDPS est là. Je vous ai dit que j'évite les ondits. Moïse aussi évite ce que les gens racontent sur les autres. Sinon, il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas. Hein? Donc, c'est-à-dire ici, un leader ne peut pas suivre ce qui se raconte dans la rue, dans la cité, tout ça, tout ça. Les gens sont en réunion ici. Nous attendons voir qui sera le candidat unique de l'opposition, qui sera désigné, et que ceux qui ne seront pas désignés, qu'ils puissent s'abstenir à faire les troubles ou à quitter les bateaux, ou à faire les Jonas. N'amenez pas la tempête. Ce n'est plus le moment de la tempête dans les bateaux, c'est le moment de la paix, la tranquillité, pour que nous puissions atteindre notre objectif. Et pour moi, sincèrement, rien n'est perdu encore. Il ne faudrait pas se précipiter. Il ne faudrait pas aussi se taper la poitrine pour dire sans moi, il n'y aura rien. Non, 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 non. Attention. Je vous ai fait voir comment les choses se font. Qui est Moïse Katumbi? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fera demain? Attention. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin de tout le monde. Chacun a besoin de chacun pour que nous puissions atteindre notre objectif. Mais celui qui va amener les troubles dans les bateaux sera jeté dans l'eau. Et le Congo va continuer. Il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention. Vraiment, la parole des sages. Édouard Kassongo, le coordonnateur de l'ensemble, mot de la fin maintenant, et votre plan d'action le 26, qui va-t-il se passer après le 26? Bon, nous mobilisons pour le 26 octobre, nous mobilisons dans tout notre pays, nous ne nous sommes pas préparés au niveau de la SADC pour cette marche du 26 à cause des calendriers que nous avons pour le 23 novembre au Parlement au niveau de Cape Town. Et nous envoyons les délégations des Congolais de partout, dans tous les pays de la SADC. Et d'ici tous ces temps ici, ça va commencer aussi au mois de novembre. Donc nous aurons des activités interminables jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. S'il n'y a pas de gain de cause, c'est-à-dire que nous serons debout
avec vous et toute votre équipe jusqu'à la victoire finale. Donc c'est-à-dire que plus que jamais, nous sommes debout. Le 26, le pays sera paralysé. Et ça va continuer. Trop, c'est trop. Mais attention, il ne faudrait pas donner un contre-mot d'ordre. Ça ne sera pas bien. Ça sera du Jonas dans les bateaux qui amène les troubles dans les bateaux. Dieu va ordonner qu'on prenne Jonas, qu'on le jette dans l'eau. Tout celui qui est contre la marche du 26 donne les contre-mots d'ordre. C'est un traître. Vous aimez trop parler en parabole. Soyez vraiment clair. Mais là, c'est très important. Sans rival. Oui. Nous avons les mêmes opinions. Nous partageons, nous sommes des combattants. Avant d'être tout le monde, qui est combattant, je suis combattant. Et ce que ce qui vient de sortir de ta bouche là est réel. Nous ne voulons pas aujourd'hui ça. Mais je sens une grande rancune, hein, contre l'UDPS, Félix Tshisekedi. Entre l'UDPS Non, je sens une grande rancune, une grande colère que vous avez contre Félix Tshisekedi et l'UDPS. Non, mais comment ça? Pasteur. Non. Comment ça? Rancune, colère? Non. Non, 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 non. Il n'y a rien. Je venais de dire tout à l'heure ici que l'union fait la force. Pas de troubles dans les bateaux. Oui. Chacun a besoin de chacun pour le moment. Le peuple a besoin que tout le monde soit ensemble. Mais celui qui va troubler le peuple sera troublé. C'est ça même mon mot de la fin. Pas trop de commentaires. Je crois qu'on aura le temps de voir aussi nos amis de l'UDPS chercher à réconcilier les deux parties, non seulement l'ensemble, l'opposition, vraiment en général, notre démarche, notre objectif, vous savez, on a toujours été là pour l'unité. Pour l'unité, c'est dans l'unité qu'on gagne, hein, qu'on va gagner, c'est dans l'unité qu'on va vaincre. Ne vous en faites pas, notre ennemi n'est pas si léger, il se prépare aussi dans son coin. Mais est-il que le peuple congolais en général et les combattants, en particulier la diaspora, nous voulons la libération du Congo, nous voulons un Congo sans Kabila. Merci. Le message pour le 26 octobre, moi je crois que ce n'est même pas un message, c'est déjà connu de tout le monde, que tout le monde sera dans la rue. Demain, le 26, tout le monde sera dans la rue, eh bien, pour réclamer non à la machine à voter. Et eh bien voilà, que les élections se passent sans la machine à voter. Merci encore une fois à vous, tous qui avez prêté attention à cette tranche.